Alors, il y a 3 ans et demi, tout allait bien. Ça faisait 10 ans que j'avais pas été chez le médecin. Mon travail en freelance marchait bien. Je venais de sortir mon album, qui avait des bonnes critiques, qui passait sur les radios un peu partout. Tout allait bien. Et puis, en février 2013, ma compagne me demande, ça dirait d'aller faire du ski avec moi et ma famille pour une semaine dans un chalet. Je dis ok, mais j'ai pas skié depuis 15 ans, faudrait que je commence par des pistes débutantes. Elle m'a dit ok, pas de problème, on va commencer par des pistes débutantes. Et dans la première remontée, je lui ai demandé encore, t'es sûr qu'il y aurait des pistes débutantes en haut? Elle m'a dit oui. Et puis une fois en haut, j'ai vu qu'il n'y avait que des pistes expertes. Puis elle m'a dit, bon, ben dans ce cas-là, on va aller dans un hors-piste. Ça va être plus facile pour toi. En bout de 30 secondes, je tombais encore sur 200 mètres. Ouch! Alors j'ai été à la clinique du centre de ski, passé des rayons X. Ils m'ont dit, bon, vous avez une tendinite à l'épaule gauche, plus de ski pour vous pour la semaine. Alors je suis resté à l'intérieur, à regarder les gens skier par la fenêtre, en me demandant qu'est-ce qui vient de se passer là, quand même. Et puis au bout de 2 ou 3 mois, avec des séances de kiné, ça a fini par passer. Et plus aucun problème, j'ai pu me remettre à l'exercice, au yoga, tout allait bien. Et puis en juin 2013, on était en vacances à la maison de campagne de sa famille, et à un moment j'ai vu que j'avais un érythème bizarre autour d'une petite piqûre. Puis quelques jours plus tard, l'érythème s'est déplacé sur les bras. Alors j'ai été à la pharmacie, ils m'ont dit ça doit être une allergie, voici des antihistaminiques. Ça a fini par passer, éventuellement. Puis quelques semaines plus tard, j'ai commencé à avoir des symptômes grippaux, donc grosse fièvre, mal au sinus, mal aux oreilles, mal à la gorge. Alors j'ai été chez un médecin qui m'a dit c'est une sinusite, voici des antibiotiques et de la cortisone. Ça n'a rien fait. Alors un mois plus tard, j'ai été passer des rayons X. On m'a dit bon, vous avez les sinus complètement bloqués, voici des antibiotiques et de la cortisone, encore. Ça n'a rien fait. Mais au bout de quelques mois, ça a fini par s'atténuer. Puis en novembre 2013, en mettant un papier à la poubelle, j'ai ressenti une douleur à l'épaule gauche tout à coup. Et quelques jours plus tard, la douleur était devenue vraiment intolérable. Alors j'ai été chez mon médecin, il m'a prescrit des antidouleurs et des scans. J'ai pris les antidouleurs, ça n'a rien fait. Les scans ont montré tout d'abord une fracture non consolidée, donc j'ai eu des antidouleurs plus forts. Puis j'ai été voir un rhumatologue qui m'a dit c'est pas du tout une fracture, il va falloir passer des IRM. En attendant, voici des antidouleurs encore plus forts. J'ai passé les IRM. Et je suis retourné voir le rhumatologue qui m'a dit, bon, on n'arrive pas à voir sur les scans. Alors je vais vous faire des injections de cortisone. Donc j'ai eu une première injection. Ça n'a rien fait. J'ai attendu un mois, j'ai eu une seconde injection. Ça n'a rien fait non plus. Puis un mois plus tard, les douleurs étaient de pire en pire. Alors mon médecin m'a envoyé chez un chirurgien qui m'a dit, bon, de toute façon, les scans, on ne voit rien là-dessus. Il va falloir opérer par arthroscopie pour voir ce qui se passe. Mais il faut attendre 2 mois parce que l'épaule a été affaiblie par les injections. À ce moment-là, mes économies commençaient à diminuer avec tout ça, mais ça allait encore. Donc je me suis dit, bon, encore 2 mois à attendre, et après l'opération, un mois de rééducation, à ce qu'on m'a dit, et puis après, ça devrait aller. Je vais pouvoir travailler 8 heures par jour, normalement. Donc en avril 2014, j'ai eu l'opération. Il s'est passé un truc bizarre quand même. Je me suis réveillé en recrachant le tube d'oxygène, et puis j'ai eu des convulsions. Je me suis rendormi. Ça a fait ça 4 fois de suite. Je restais à l'hôpital pour 3 jours. À un moment, le chirurgien est venu, il m'a dit « Ouais, il y avait quand même une bonne liste de trucs à régler dans cette épaule. » Mais l'opération s'est bien passée, aucune mention de l'incident. Et après, il a fallu 6 mois de rééducation, juste pour arriver à lever le bras. Et ces 6 mois-là ont vraiment fait un trou dans mes économies. Il fallait que je reste couché à 45 degrés toute la journée. 6 mois, c'est long quand on s'attend à un mois. Puis à l'été 2014, les symptômes grippaux sont revenus, donc grosse fièvre, mal au sinus, mal aux oreilles, mal à la gorge. Je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit « Ah, encore une sinusite, antibiotiques et cortisone, ça n'a rien fait. » Une seconde fois, ça n'a rien fait non plus. Puis j'ai constaté que je perdais de l'audition du côté gauche. Donc j'ai été chez un ORL qui a effectivement constaté que j'avais une perte de fréquence aiguë. Et donc en dernier recours, il m'a mis sur une machine pour inhaler de la cortisone pendant 3 semaines, ça n'a rien fait non plus. Et j'ai commencé à avoir de nouveaux symptômes, difficulté à déglutir. La diarrhée, de plus en plus souvent, des pertes de tonus musculaire du côté gauche, j'avais l'impression de perdre mon bras, et des douleurs et des craquements dans le cou jusqu'au sinus. En décembre 2014, on était à l'anniversaire d'un beau-frère de ma compagne, et j'ai pris un petit morceau de coquille Saint-Jacques, un tout petit morceau. Puis en revenant dans l'auto, je me sentais pas bien. Vous pouvez arrêter l'auto, s'il vous plaît, je vais être malade. Et puis j'ai vomi comme un damné dans les toilettes de l'arrêt routier. C'était vraiment apocalyptique.
Alors les pompiers m'ont amené aux urgences. J'étais dans un couloir à côté des WC. À un moment, je me suis rappelé, attends, il y a un an, j'ai mangé des coquilles Saint-Jacques et j'étais malade de la même façon. Oui, oui. Donc j'étais devenu allergique aux coquilles Saint-Jacques. Et j'ai jamais eu d'allergie alimentaire auparavant. Les heures ont passé. À un moment, mon visage est devenu tout rouge. Et puis au matin, ils m'ont laissé partir. Le 14 février, ma compagne et moi avons rompu, parce qu'elle me reprochait d'être toujours malade, en gros, sans commentaire. Effectivement, j'étais toujours malade. Douleur à l'épaule, de l'opération, qui était toujours là. Symptômes grippaux, mal au sinus, mal aux oreilles, mal à la gorge. Craquements et douleurs dans le cou, difficulté à déglutir. La diarrhée, de plus en plus souvent. Les pertes de sensations du côté gauche. Là, l'argent commençait à descendre sérieusement. À un moment, j'ai fait ce qui ressemble à une crise cardiaque. Palpitations, tremblements, jambes qui flanchent. Et je suis resté au lit plusieurs heures avec des tremblements. À un moment, je me suis rendu compte que si je bougeais pas du tout, ça allait mieux. Mais dès que j'essayais de bouger un peu, les spasmes recommençaient. Donc je suis resté comme ça, sans bouger, plusieurs heures. Quand j'ai essayé de me lever, j'avais extrêmement de difficulté à marcher. Énorme fatigue, vertige, étourdissement. Et ça a duré comme ça pendant 6 semaines. Dès que j'essayais de me lever, les lumières vives m'éblouissaient. J'avais la diarrhée à tous les jours maintenant. Les difficultés à déglutir de plus en plus. Les jambes qui flanchent. J'avais froid tout le temps. Et j'ai fait une folliculite. J'ai eu des cloques bizarres sur le visage d'où sortait un liquide transparent. Des furoncles sur le torse. Et puis des bleus sur les jambes. Inexplicablement, étant donné que je bougeais pas. Puis j'ai eu des symptômes qui sont restés plusieurs mois, ben jusqu'à maintenant en fait. Donc au moment de m'endormir, j'arrête de respirer. Puis je me réveille. Quand je marchais, j'avais l'impression de laisser une copie de moi en arrière. Tout à coup, je me réveille. C'était extrêmement bizarre. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre qu'en fait, je perds connaissance. Puis je me réveille et mon cerveau me dit que je suis à deux endroits en même temps, pendant une fraction de seconde. Alors là, je me suis dit, bon, il faut tout d'abord se débarrasser de la diarrhée. Je suis de plus en plus faible à tous les jours. J'ai vu qu'il fallait arrêter le café, l'alcool, le lait et le blé, prendre des aliments fermentés et de la glutamine. Et puis, au bout d'un mois, j'ai réussi à me débarrasser de la diarrhée. En avril 2015, je pouvais me lever, mais j'avais toujours la difficulté à déglutir. J'avais perdu 15 kilos en 6 semaines. J'avais toujours les jambes qui flanchent à tout moment, des furoncles sur le torse et les problèmes respiratoires. Donc j'ai été voir mon médecin qui m'a dit « ce sont des crises de panique. Il va falloir passer des tests d'apnée du sommeil. » Et puis voici un petit tube de gel antibiotique pour les furoncles. Je me suis dit « bon, crise de panique, ça explique pas tout, mais il y a l'argent qui descend, il y a la relation stressante, ça se peut. » Donc j'ai pris les petites pilules. Et j'ai commencé à avoir de nouveaux symptômes, donc à l'endormissement des tremblements dans le cou qui m'empêchaient de dormir pendant plusieurs heures, des spasmes. Quelquefois, les tremblements dégénéraient en convulsions carrément, la tête qui se fait aller de gauche à droite toute seule, ou bien le torse qui se redresse tout seul dans le lit, et ça faisait super mal après. Extrêmement fatigué, j'avais de la difficulté à marcher, des étourdissements, et les douleurs se sont propagées dans le cou, dans les épaules et dans la cage thoracique. En plus, j'avais la clavicule qui semblait ne pas être au bon endroit et qui claquait quand je levais le bras, et l'épaule droite complètement recroquevillée vers l'avant. Quand j'essayais de travailler, je perdais connaissance devant l'écran. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai été couché pendant 6 semaines, il faut remettre la machine en marche. Donc j'ai recommencé à faire de l'exercice, des étirements, du yoga, même des haltères. Et effectivement, ça faisait du bien. Mais encore aujourd'hui, si je fais pas au moins 2 heures d'exercice par jour, je bloque complètement. Donc j'avais encore beaucoup de douleurs, il fallait que je reste couché toute la journée, et mes économies s'approchaient de la fin dangereusement. En juin 2015, j'ai commencé à avoir de nouveaux symptômes, toujours à l'endormissement, des pertes de tonus musculaire et de sensations dans tout le corps. Quelquefois en pleine nuit, j'ouvrais les yeux, mais mon corps ne bougeait pas. Je pouvais voir ce qui se passait dans ma chambre, mais mon corps était paralysé et je me demandais si je rêve. Quand mon corps se redressait tout seul, je me levais et un moment, attends, est-ce que je suis en train de rêver? Et là, j'essayais de marcher dans l'appartement et visuellement, tout était comme pixelisé. Ça me faisait trop de stimuli visuels et je perdais connaissance. Puis je me réveillais dans le lit. Attends, est-ce que je viens de rêver ça? Est-ce que je suis somnambule? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai cherché ces nouveaux symptômes. J'ai trouvé une narcolepsie. Ça pouvait expliquer des trucs. On s'endort en marchant. Perte de tonus musculaire. On s'endort en position assise. Paralysie du sommeil. Alors j'ai été voir mon médecin, je lui ai expliqué tout ça. Elle m'a dit « oui, ça ressemble à l'épilepsie, ça pourrait être la narcolepsie aussi. En tout cas, c'est neurologique. Donc je vous fais un papier pour les tests de narcolepsie. » En juillet 2015, j'ai été passer les tests d'apnée du sommeil. Donc ils nous branchent des trucs un peu partout, et puis ça enregistre ce qui se passe pendant la nuit. L'infirmier, quand il mettait les électrodes, il a quand même remarqué « tiens, c'est quoi cette grosse boule là, sur la cage thoracique ?» Bizarre ça. Ça fait mal ? Oui. Et évidemment, pas d'apnée du sommeil, mais une baisse du taux d'oxygène dans le sang. Donc ça pouvait être pulmonaire. Mais ce que je racontais ressemblait à la narcolepsie. Donc ils ont écrit un papier dans un hôpital de Paris spécialisé en narcolepsie. Et quand j'ai reçu la convocation, j'ai vu que c'était pour février 2016.
Comment je vais faire? J'aurai plus d'argent en février. Il faut que je travaille. Je peux pas rester là avec ces symptômes jusqu'en février. Alors j'ai décidé d'au moins essayer de faire quelque chose pour les douleurs. J'ai redoublé d'efforts sur le yoga, les haltères. J'ai commencé à prendre des protéines. Et puis ça a fait du bien. Même les difficultés à déglutir diminuaient. En octobre 2015, j'ai trouvé arthrose cervicale. Ça pouvait expliquer les difficultés à déglutir, les craquements dans le cou, les douleurs. Donc j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit « bon, ben ouais, on va faire les tests ». Et surprise, on a bien trouvé l'arthrose cervicale et dorsale, mais pas assez pour expliquer les douleurs, apparemment, ni les autres symptômes. Alors j'ai été voir un rhumatologue qui m'a prescrit des pilules. Je lui ai demandé « est-ce que ça va régler les problèmes de déglutition ?» Et puis elle m'a dit « c'est pas un symptôme de l'arthrose cervicale, ça. » Hein ? Je venais de voir ça sur un dictionnaire médical en ligne. Donc j'ai cherché son médicament, j'ai vu qu'il était en phase d'être retiré de la vente pour n'ayant pas beaucoup de bénéfices par rapport aux effets secondaires. Donc j'ai dit non. J'ai commencé à prendre un autre supplément, la glucosamine. Puis je suis retourné voir mon médecin qui m'a dit « il n'y a pas de médicament contre l'arthrose, il n'y a rien ». Donc j'ai dit, la rhumatologue m'a dit que les problèmes de déglutition n'étaient pas un symptôme de l'arthrose. Puis elle m'a dit « non, non, c'est pas un symptôme de l'arthrose, je connais ça moi ». Je lui ai demandé « vous pouvez vérifier parce que j'ai quand même vu ça à plusieurs endroits ». Et là, elle s'est vexée, et puis elle m'a dit « monsieur, vous devriez vous trouver un nouveau docteur ». Bon, super, j'ai plus de médecin. Et heureusement, la rhumatologue m'avait prescrit un kiné, qui s'y connaissait en problèmes neurologiques, et qui m'a fait faire des traitements par champ magnétique. Et ça a fait du bien, en fait. Plus des petites manipulations pour l'arthrose. Donc en décembre 2015, ça allait un peu mieux. J'avais encore des tremblements, mais plus de convulsions, plus de problèmes ésotériques du sommeil, mais encore beaucoup de douleurs et grande fatigue. Et en plus, les douleurs s'étendaient maintenant, aux hanches, et puis aux jambes. Donc le kiné m'a dit « vous devriez vous acheter un TENS ». On branche ça là où ça fait mal, ça envoie de l'électricité, et c'est bien contre ce genre de douleur. Sauf que j'avais plus d'argent en main. Mais il y a un ami qui m'en a offert un pour Noël, et là, merci Patrick, hein, encore. Et puis ça a vraiment fait du bien. Donc avec ça, la diète, les suppléments, l'exercice, début février, ça allait mieux. Et j'ai pu recommencer à travailler, in extremis. J'avais plein de projets, je me suis dit « bon, ouf, j'en suis sorti. Ça va aller maintenant. » Et même à un moment, plus de tremblements. Le sommeil allait bien. J'avais encore des douleurs, mais c'était gérable, si je pouvais travailler. Puis en avril 2016, les vomissements sont revenus. Les symptômes grippaux, mal au sinus, mal aux oreilles, mal à la gorge. Les douleurs sont revenues en force, puis s'étendaient maintenant à l'omoplate, au coude, au bas du dos, puis au genou. À un moment, j'avais tellement mal à la hanche gauche que je n'ai pas pu marcher pendant 2 jours. Les difficultés à déglutir sont revenues, les arrêts respiratoires sont revenus, les troubles cardiaques, les tremblements, l'endormissement, les spasmes, les pertes de sensations. Alors je suis allé voir un nouveau docteur qui m'a prescrit un bilan sanguin. Et dans le bilan sanguin, j'ai vu sérologie pour Lyme. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai vérifié et j'ai vu qu'on l'attrapait suite à une morsure de tique. Que ça donnait tout d'abord un érythème qui se déplaçait ailleurs sur le corps, qu'ensuite on avait des symptômes grippaux, des douleurs articulaires, des problèmes digestifs, immunitaires, des pertes d'audition, des pertes de poids, des jambes qui ne supportent plus le corps, des problèmes neurologiques, des allergies alimentaires qu'on n'a jamais eues avant. Là, je me suis dit, attends, il y a 3 ans, je me suis fait piquer, j'ai eu un érythème bizarre autour de la piqûre. Et ensuite, tout concorde. Mais quand je suis retourné voir le médecin, il m'a dit « écoutez, j'ai pas le temps de prendre en charge un nouveau gros dossier. Donc voici une prescription pour un rhumatologue, pour vos trucs dans le cou et dans les épaules. Et c'est tout ce que je peux faire pour vous. » Bon, un peu bizarre. Heureusement, j'ai trouvé l'association France Lyme qui m'a envoyé chez un nouveau médecin. Donc je lui ai tout raconté. Et puis il m'a dit « bon, écoutez, d'habitude je fais remplir un questionnaire, mais là, c'est même pas la peine avec ce que vous m'avez dit. Vous avez la maladie de Lyme. Et apparemment, c'est installé dans le système nerveux central, dans le cœur. » Dans le cerveau, mais les traitements ne sont pas remboursés, et vous en avez pour 800 euros, pour commencer. Puis là, moi j'avais même plus de quoi payer le loyer. Hein. Donc j'ai recontacté l'association, ils m'ont envoyé chez un second docteur, qui elle a l'air vraiment très bien, qui corrobore le diagnostic de Lyme, mais qui pense qu'il y a aussi des co-infections. Les tests pour les co-infections ne sont pas remboursés non plus, il y en a quand même pour 100 euros, bon, pour commencer. Et même 100 euros, je les ai pas. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même espoir de pouvoir retrouver une vie normale avec ce nouveau docteur et un traitement approprié. Mais j'ai pas pu payer le loyer ce mois-ci. J'ai envoyé une lettre à mon propriétaire. Je ne sais pas comment il va réagir. Je n'ai pas de famille qui pourrait me recueillir en cas de maladie invalidante, pour des raisons que j'expliquerai pas ici. Et puis, c'est un peu comme ça qu'on se retrouve à la rue. Hein. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous pouvez contribuer à ma levée de fonds, même un petit montant, ça aide déjà. Même 1 $, ça aide déjà. Voilà.
Merci.